dans cette vidéo, regardez tout simplement, tout ce que je dessine devient réel. Sur cet exemple les amis, j'ai dessiné Titan Speakerman et il va devenir réel les amis. Du coup ça va être trop cool, on va dessiner plein de personnages aujourd'hui. Je sais que la dernière vidéo elle avait fait 150 000 vues simplement avec ce concept, ça vous avait vraiment plu les amis. J'avais dessiné Mario, les Minions et encore plein d'autres, c'était vraiment super cool. Et aujourd'hui bah, simplement on va dessiner des nouveaux personnages et bien sûr on va essayer de dessiner Titan Speakerman. Voir s'il apparaît les amis sur Minecraft comme ceci. Est-ce qu'il va nous attaquer? Est-ce qu'il va nous montrer des super pouvoirs? On va voir ça les amis aujourd'hui. Du coup simplement regardez, petite surprise amis, je suis dans la nouvelle ville. Regardez ma nouvelle maison, elle est comme ceci. Du coup on a plus le parc d'attractions les amis sur la droite, mais le jardin il est énorme, regardez-moi ça. Là-haut on a simplement un centre d'observation etc. tous amis, enfin vraiment c'est super cool. Il y a vraiment plein de choses dans la nouvelle ville. On a des nouvelles maisons, j'ai une petite piscine, bon elle est vraiment moche, il va falloir que je la refasse. Et tout simplement la maison de Talcado qui est juste en face. Et regardez la maison de Carlos l'Alien, pour ceux qui avaient suivi les vidéos depuis super longtemps et qui connaissent Carlos l'Alien, sa maison elle est sur une île flottante, regardez-moi ça, elle est dans les airs, c'est plutôt cool. On a un centre commercial et plein d'autres choses amis. Et je crois qu'il y a même la patte patrouille qui est juste en haut de la montagne là-haut les amis, mais on la voit pas parce que simplement c'est pas assez loin. Je vais vite fait vous montrer les amis, regardez ma maison de derrière. Regardez là j'ai un petit jacuzzi tranquille les amis, plutôt sympa, ou un puits, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment plutôt stylé. Notez une petite note dans les commentaires. Du coup, vous mettez une petite note sur ma maison. Vraiment, moi, je la kiffe. Franchement, elle est vraiment trop belle. Dites-moi par rapport à l'ancienne, les amis. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez la nouvelle ville? Vous la connaissez pour ceux qui regardent la vidéo Talcado. En tout cas, moi, c'est parti. J'ai officiellement déménagé. Du coup, bienvenue dans la nouvelle ville. C'est parti. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que pour cette première vidéo, on va du coup aller dans un magasin de déguisement. Et du coup, dans ce magasin de déguisement, bah simplement, regardez, il y a plein de choses. Regardez-moi ça. Attendez, je suis obligé de vous montrer, les amis. Regardez la maison de Carlos l'Alien. Bon, on la voit pas trop d'ici, mais regardez-moi ça. Il y a un gros creux ici. Là, il y a une météorite qui est tombée ou je ne sais quoi. Elle s'est décrochée du sol et maintenant elle est dans les airs. Du coup, c'est plutôt stylé. On voulait faire un petit rappel à Carlos l'Alien sans la remettre ici. Et là, les amis, regardez. Même le McDo, il a évolué. C'est un vrai McDo. Bon, en ce moment, c'est le McDo Grimace Shake. Il y a un vrai cinéma et tout. Franchement, c'est vraiment trop cool. Vous allez kiffer la nouvelle map. Ok. C'est parti moi les amis, je vais tout droit, simplement je vais aller dans le magasin de costumes. Et simplement dans ce magasin de costumes, eh ben il n'y a pas que des costumes les amis, vous allez voir. On va simplement pour chercher un truc bien précieux les amis, qui va nous permettre simplement de dessiner des choses qui vont devenir réelles. Regardez, on a un grand magasin les amis, donc là je crois que c'est un magasin de bijoux il me semble. Et ici de ce côté les amis, c'est des personnages qu'on peut acheter, des costumes et tout. Et vous allez voir ce qu'on va acheter nous, c'est un pinceau magique, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est marqué là? Don't not cross, donc ça veut dire on doit pas casser je crois. Bon, moi c'est ici que je vais aller, hop là. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous monsieur? Ça va bien et vous? Ça va tranquille, c'est la première fois que je suis dans cette ville monsieur, donc je fais visite un peu. Ah et bah bienvenue en ville alors, et bienvenue dans notre super magasin. Merci beaucoup, bah justement je crois qu'il y avait un magasin similaire juste avant. Là je vois que vous avez des déguisements de Mario, Sonic, etc. Et là le pinceau magique, et c'est forcément c'est ça que je suis venu chercher aujourd'hui monsieur. Est-ce que vous avez encore des pinceaux magiques en stock? Eh bien, il me semble... Alors, attendez, je vais regarder dans le petit coffre. Tac, tac, tac. Effectivement, on en a plutôt pas mal. Ok, bon, je vais regarder simplement. Ah oui, il y en a plutôt pas mal. Il y a même simplement des fumigènes pour simplement l'avant-apparition du personnage. Et du coup, simplement, on en a combien? Alors, du coup, je vais en prendre 1, 2, 3, 4 et 5, les amis. Au cas où, simplement, on va faire le maximum de personnages à dessiner. Du coup, ça fera combien? 64 diamants, ça suffira? Oui, bah si vous payez en diamant, pourquoi pas, hein. Et ouais, je paye en diamant ici, alors hop, tenez monsieur. Et la richesse, Eh ouais, mon ça paye, ça paye bien, youtubeur, hein. Ouais, ça paye bien. Bon, en tout cas, est-ce que vous aurez pas, simplement, par contre, plus de grenades fumigènes? Plus de grenades fumigènes? Ah, il ouais. Faut augmenter le prix, alors. Bon, j'ai donné 64 diamants, normalement, ça devrait faire le taf. Ouais, bon, allez. Ok. cadeau. C'est parti, les amis. Ouais, en plus, ça coûte pas trop cher, donc merci. Ouais, pas tant non plus, il me donne tout le stock, les amis. Bon, en tout cas, merci monsieur le vendeur. À la prochaine, ciao ciao. À la prochaine. N'hésitez pas à revenir. Hein. Oui, vous inquiétez pas. D'argent, on profite. Hein. Les amis, je crois que simplement je vais donner beaucoup d'argent pour ce que j'ai donné. Je crois que je me suis fait arnaquer. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Je crois que je me suis fait arnaquer. Oula, il y a des magnifiques maisons par ici. Hein. Oh, il y a des magnifiques maisons. Alors, je suis jamais passé par là, les amis. Donc, on va passer par là pour essayer de retourner à l'endroit simplement où on va faire spawn les personnages. Ok, c'est un petit tunnel qui traverse là. Montagne, ok, c'est plutôt cool. Et je crois qu'en haut, après, il y a la patte patrouille. Ah oui, on la voit, il y a la patte patrouille en haut, les amis. Ok, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu. Si vous avez vu la patte patrouille, mettez un petit like. Voilà, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Mais moi, je l'ai vu du coin de l'œil, les amis. Et il y a la patte patrouille, ça fait plaisir. C'est son petit retour. Alors, du coup, là, on a quoi? On a le cinéma avec les films à tendance. Ici, on a simplement un petit parc, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et nous, on va aller juste ici, les amis. Regardez, on va garer la voiture juste là. Hop, là, je la gare juste ici. Parfait. Ok. Nous, on est là les amis, regardez, c'est ici simplement où je vais dessiner les personnages. Donc je vous explique, je dessine les personnages sur ce mur.
Ensuite, simplement, les amis, je vais simplement, du coup, m'alancer des smokes ici, simplement des fumigènes dans cette petite vitre. Et là, le personnage va apparaître dedans. Il pourra sortir juste ici, me montrer s'il a des pouvoirs magiques ou autres, des petits trucs spécifiques. Et après, bah, simplement, ils pourront partir. En tout cas, les amis, bah, c'est parti. On va commencer avec le premier. Donc, qu'est-ce que je vais dessiner? Bon, les amis, je vous avais promis simplement de faire Titan Speakerman. Donc, je vais dessiner en premier Titan Speakerman. Allez, c'est parti. Je vais simplement mettre le petit dessin ici. On va mettre en 64. J'espère que ça sera suffisant. Du coup, Titan Speakerman, les amis, il a simplement des jambes d'humain. Donc, c'est parti. Hop, on lui fait ça. Tac, on lui fait des petites chaussures. Nickel. Un petit pantalon. Pour l'instant, les amis, ça ressemble à un petit... Bon, ça ressemble à un personnage pour l'instant. Ça ressemble à pas grand-chose. Hop là, on lui remplit son petit pantalon tout noir, les amis. C'est parti. Ensuite, simplement, il va falloir faire, les amis, le haut de son ventre. Donc, je crois que c'est en rouge, les amis. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est rouge. Donc, on va faire comme ceci, tac. On va lui faire ses petites mains, comme ceci, hop là. Bon, les amis, si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Je sais que sur l'ancienne vidéo, les amis, vous avez tous mis des notes, simplement, de mes créations, de mes dessins. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite note dès que j'ai fini mon dessin, du coup, de Titan Speakerman. N'hésitez pas, simplement, à lui mettre une petite note. En tout cas, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, pour l'instant, ça va, les amis. Là, je le mets tout en rouge. Bon, c'est un peu galère. Est-ce que, simplement... Ah oui, regardez, je peux grossir le pinceau. Ok, comme ça, au moins, ça va plus vite. Ok, parfait. Moment 1, du coup on va lui faire ses petites mains, ses petits gants, donc tac tac tac, les petits gants comme ceci, voilà, hop là, parfait, ok ça c'est parfait les amis. Ensuite il a un haut-parleur juste ici, un petit rond comme ça, là il a deux haut-parleurs comme ceci, tac tac tac, nickel. Et après les amis, il a sa tête simplement c'est un gros trait noir comme ça, on va prendre un pinceau un peu plus épais, voilà, nickel, comme ceci. Ensuite il en a deux sur les côtés comme ça les amis. Hop, 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 voilà. Oh, les amis, je crois qu'il ressemble vraiment à Titan Speakerman. Hein. Je crois qu'il ressemble vraiment à Titan Speakerman. Et simplement, il faut faire un gros ici. On descend, on en fait un petit juste là. Et simplement, je crois que sur les côtés, c'est un peu pareil. Comme ça, comme ça. On va faire un peu plus gros. Hop là, hop là, hop là. Ok, j'ai fini mon Titan Speakerman. Je vais mettre terminé. Voilà mon dessin Titan Speakerman. Je vais prendre simplement, les amis, des grenades fumigènes. Et simplement, je vais les lancer sur le mur. Hop là, c'est parti, les amis. Je lance simplement les fumigènes. Et là, on va attendre que Titan Speakerman spawn dedans, les amis. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Attention, je sais pas si elle est dedans, les amis. Je vais arrêter les fumigènes dans 3, 2, 1. Attention, j'arrête. Est-ce qu'elle est dedans ou pas? Ok, attention, ça s'enlève, les amis, attention. Oh oui, ça a marché, les amis. Mon dessin était plutôt pas mal parce que du coup, regardez, ça ressemble plutôt pas mal, les amis. Regardez, pour l'instant, il est dedans. Je ne l'ai pas encore autorisé à se mettre ici. Dès que je l'autorise, il pourra. Mais regardez, les amis, franchement, ça ressemble. Mettez-moi une note sur 10, amis, de Titan Speakerman. Alors, par contre, il manque des haut-parleurs, regardez, les amis. Il a des haut-parleurs en plus qui sont juste en haut de la tête. Je les ai oubliés. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Attends, tu peux sortir si tu veux. Tiens, sors, sors, sors. Ah ouais, avec plaisir, parce que c'est quoi cet endroit? Simplement, c'est un endroit où je couche, tout ce que je dessine devient réel. C'est le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça. Dis-moi, tiens, tu peux venir me donner une petite note sur le dessin que j'ai fait? C'est quoi? C'est toi? Ah, c'est moi, ah ouais. Il a pas l'air très convaincu, les amis. Non, je suis pas convaincu, non. Tu peux me donner une note sur mon dessin, sur 10? Ouais, 5. 5 sur 10, bon, ça va, c'est la moyenne, les amis. Donnez-moi, vous aussi, simplement, votre note dans les commentaires. Vous allez voir, on va voir simplement si vous avez la même note que Titan Speakerman ou si vous êtes un peu plus généreux, les amis. Bon, lui, franchement, il a mis la moyenne, ça va. Mais franchement, ouais, les amis, il est difficile à dessiner. Et encore, je sais même pas comment je suis généreux là-dessus. Hein. T'es généreux là-dessus? Non, il est bien dessiné, qu'est-ce que tu racontes? Bon, est-ce que Titan Speakerman, ouais, tu as des pouvoirs particuliers que tu pourrais montrer aux abonnés? Bah, j'en ai plein, moi. Ah ouais, vas-y, bon, montre-moi. Je peux balancer des petits éclairs comme ça, mais ça, c'est basique. Ok, des éclairs de foudre, ok, plutôt pas mal. Tu peux quoi faire d'autre? Des petits disques de foudre comme ça, là. Attends, fais voir des disques de foudre. Attends, lance-moi en un, si tu peux voir. Ça fait mal, hein, je te préviens. Ouais, vas-y. Ok, les amis, ok, ça m'a enlevé la moitié de ma vie. Ok, ça fait vraiment mal, c'est vraiment puissant. Bon, les amis, en même temps, c'est Titan Speakerman, c'est normal que ça soit puissant. Ensuite, je peux tirer des gros rayons électriques. Mais t'es un orage en fait, t'es un éclair toi. Oh ouais, attends. Exactement. Et si tu me tires dessus, ça me fait mal ça aussi? Je crois. Oh oui, ça fait mal. Ok, bon, ça fait un peu moins mal que l'autre, mais franchement, oui, ça m'a enlevé un cœur quand même. Ok. Bon, franchement, c'est plutôt attends, pas mal. J'ai deux rayons, j'en ai un peut-être plus puissant. Ouais, ok, il est un peu plus puissant. Effectivement, il m'a fait 2 dégâts. Bon, franchement, ça fait un peu mal. En tout cas, c'était plutôt pas mal, Titan Speakerman. Donc, Ah, mais j'ai d'autres choses, hein. Non, mais c'est bon, je pense qu'on va pas faire d'autres choses. Il y a d'autres personnages aussi qui vont peut-être avoir d'autres. Tiens, regarde, j'ai ça aussi. C'est quoi ça? Oh, ok, d'accord. Il a une énorme boule simplement de terre, les amis.
Ok, c'est vraiment trop puissant ton truc, hein. Ça me fait un peu flipper limite. Bon, Titan Speakerman, je veux que tu disparaisses tout de suite. Hop là, les amis, c'est parti. Attention, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il va disparaître? Ok, il a disparu dans la smoke, ça a marché, les amis. Du coup, voilà, premier dessin réussi, les amis. Ça a fonctionné, ça l'a fait spawn. Du coup, on va passer au deuxième dessin, les amis. Vous savez quoi? Je ne vais pas vous dire ce que je vais dessiner. Je vais vous laisser deviner, les amis, dans les commentaires. Et on verra simplement quel abonné aura deviné en premier. Et trichez pas, les amis. Je sais très bien qu'il y en a qui vont tricher, qui vont regarder les commentaires et qui ensuite simplement vont réécrire ce que les autres ont mis. Vraiment, les amis, mettez-moi dans les commentaires. Ok, je viens de casser le bloc machin. Bon, je suis vraiment bête. Je sais pas si j'ai un bloc, les amis, de béton blanc parce que je viens de le casser. Bon, pour l'instant, je vais simplement dessiner à côté, les amis. Je vais dessiner à côté. Du coup, 64, c'est parti. Du coup, le dessin, je le commence, les amis. Ça commence à peu près pareil que Titan Speakerman, les amis. Hop là, une petite jambe comme ceci. Hop là, c'est parti. Ou alors là, vraiment, c'est une note de musique, le truc, hein. Oh, les amis, j'ai fait un truc vraiment moche. Je vais mettre simplement des carreaux un peu plus épais. Tac, comme ceci. Nickel. Hop là, parfait. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, nickel. Ensuite, les amis, simplement simple, je vous donne un petit indice. C'est un costard cravate. Donc, simplement, on va faire un petit carré comme ceci. Tac. Bon, mon personnage est vraiment moche pour l'instant. Et je pense qu'il n'a pas du tout aimé mon dessin. Et je pense que même vous, pour l'instant, vous ne savez pas qui c'est. C'est vraiment impossible à dîner pour le moment, les amis. Hein. Et là, en haut, ça va être un gros carré comme ça, les amis. C'est parti. Un gros carré comme ceci. On va prendre du gris pour faire l'intérieur. Hop, 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 hop. On va prendre du rouge pour faire un petit bouton juste ici. Hop là, nickel. Et simplement, là les amis, on va prendre du blanc pour faire du coup une petite chemise. Hop là, c'est parti. Une petite chemise comme ceci avec un petit nœud de papillon juste là les amis. Hop là, c'est parti. Du coup les amis, mon personnage, il est fini de dessiner. Bon, il est vraiment moche au niveau de ses jambes, etc. Je me suis pas bien appliqué. Du coup, on va essayer de voir si ça va marcher les amis, ce qui va apparaître. Je le termine. Dites-moi dans les commentaires si simplement vous savez qui c'est. En tout cas, je vais mettre des smokes les amis, c'est parti. 3, 2, 1, je lance. Ok, je lance, c'est parti les amis, ok. On va voir simplement le personnage va apparaître les amis. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'était TV Man les amis. On va voir si ça marche. Attention, mes smokes sont lancés. Ok, ok, ok les amis, attention. J'arrête de lancer les smokes, on va voir si ça apparaît. Attention, 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 attention. Oh, les gars, ça a marché. TV Man simplement est apparu. Ok, coucou TV Man. Oh, wesh, il est sorti sans que je lui ai donné le pire... je t'ai pas donné la permission de sortir TV Man, hein. Je sors si je veux. Ok, ok, excuse-moi, mais pourquoi t'es énervé comme ça? Bah, regarde comment tu m'as dessiné, c'est une blague. Bah, ça va, je t'ai bien dessiné quand même. Regarde mes pieds. Oui, j'avoue, tes pieds sont un peu mal faits, mais bon, ça va, je t'ai bien dessiné dans l'ensemble, ça ressemble. Non, non, c'est mal fait. Bon, en tout cas, ça a réussi à te faire spawn, hein, donc ça veut dire que c'était quand même un minimum bien fait. Tu me donnes quelle note, TV Man? 0. Quoi, 0? Tu me donnes 0 sur 10? Oui. Oh, les amis, il est vraiment super méchant, ce TV Man. Dites-moi dans les commentaires, vous, combien vous me donnez? Bon, si vous avez deviné, simplement, ça veut dire que c'était bien fait. Donc, dites-moi dans les commentaires, combien vous me donnez, les amis, pour ce dessin? Ouais, quand même, je mérite au moins 5 sur 10, TV Man. Non, même pas. Ah ouais, toi, t'es vraiment méchant, hein. Ok, bon, TV Man, viens ici tout de suite, là. Tiens, tu viens ici, sinon je te fais disparaître directement. Si je te lance une smoke, simplement, tu disparais. Donc, est-ce que t'as des pouvoirs magiques, toi, TV Man? Ouais, j'en ai un peu, ouais. Ah ouais, t'en as un peu? Eh ben, franchement, j'ai hâte de voir ça. Montre-moi, simplement, qu'est-ce que t'as sous le capot. Ok. Wesh les amis, c'est un lance-flamme ou quoi? Mais attends, mais t'as un lance-flamme TV Man? Exactement, dans ma télé. Dans ta télé, ok. Bon les amis, je savais pas ça, hein. C'est nouveau ça, hein. Ok, t'as d'autres pouvoirs? Ouais. Ok, vas-y, montre-nous. Oh, 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 stylé les amis, wesh. C'est quoi ce pouvoir? C'est un truc un peu pouvoir, un peu les amis de la jungle. Il peut simplement s'accrocher au mur. Ok, simplement, c'est un peu des lianes. Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, est-ce que t'en as un dernier ou c'est tout? Non, j'en ai plus malheureusement. Ok, d'accord. Bon, les amis, vous savez très bien c'est quoi la suite. C'est simplement, je vais lancer une smoke sur lui et il va devoir disparaître. Ok, bah c'est bon. Ciao, ciao, TV Man. Hop là, les amis, c'est parti. Ok, attention. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il est là? Ok, ça a marché, les amis. Bon, je suis plutôt fort, c'est nickel. Bon, je vais pas essayer simplement d'enlever ce dessin parce que, les amis, apparemment. Je crois que, les amis, je peux le modifier. Ouais, c'est pour ça, voilà. Je peux le modifier, les amis. Si je prends du blanc que je fais comme ça, bah simplement, je peux repasser. Ah non, c'était gris. Ah, ok, bon, non. On va juste, les amis. Si je peux. Undo. Ah oui, regardez, c'est bon, je peux décider. Ouais, voilà, je peux l'enlever. Nickel, parfait. Ok, les amis, c'est parti pour le troisième personnage. Je vais le dessiner, les amis. Celui-ci, je vous dis lequel c'est parce qu'il est super facile. Je vais le dessiner en 3 secondes. C'est simplement, les amis, Grimashake. Donc, on fait une grosse tête comme ceci. On fait un gros corps comme simplement une pomme de terre. Hop là, c'est parti, comme ceci. On va le remplir, les amis, de violet. Franchement, ce personnage est facile. Donc, normalement, ça, les amis, c'est un 10 sur 10. Hein. Si vous ne mettez pas 10 sur 10, je ne comprends pas. Vous allez voir, je vais très bien le faire. Ok, ça c'est bon, ses mains on fait comme ceci,
Hop là. Ses jambes, il a des grosses jambes comme ceci. Hop là. Et franchement, les amis, je pense que c'est le personnage que je vais le mieux réussir. C'est le personnage que je vais le mieux réussir. Hop là, il a une petite bouche, les amis. Donc, hop, une petite bouche comme ceci. Tac, voilà. Nickel. Et simplement, il a deux petits yeux. On fait un rond avec simplement du noir. Hop là. On va mettre du blanc à côté pour que ça fasse vraiment des yeux. Bref, on va remplir, les amis. On va remplir. Sinon, il va pas être content. Hop là, et on lui met des petits sourcils. Hop là. Les amis, c'est bon. T'es simplement mon petit Grimace Shake, il est fait, les amis. Je vais quand même faire le tour de la bouche, comme ça, ça sera bien fait. Les amis, Grimace Shake, il est stylé. Grimace Shake, franchement, c'était simple à faire. Normalement, ça c'est un 10 sur 10. Je compte sur vous, amis, pour mettre une petite note. Vous me dites Grimace Shake 2 points avec la note que vous me donnez. En tout cas, je vais lancer des smokes et on va voir simplement s'il apparaît. Attention, c'est parti, attention. Hop là, ok, je lance une smoke, 2 smokes, 3 smokes, 4 smokes. Et c'est parti, on attend, les amis. Ok, attention. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que talent Grimace Shake va apparaître? Attention. Oui, il est là. Ok. Coucou Grimace Shake. Qu'est-ce que je fais ici? Je crois que simplement, je t'ai dessiné et du coup, bah, t'es apparu. Et tu m'as dessiné? Attends, je viens voir. Ouais, vas-y, viens voir si tu veux, vas-y. Regarde le dessin que j'ai fait. Oh ouais, c'est moi. On est d'accord qu'il est super bien fait, le dessin. Ah ouais, franchement, 32 sur 33. 32 sur 33, c'est quoi ça? Non, donne-moi une note sur 10, Grimace Shake. Ah, 10. Ok, bon bah les amis, 10, et moi ça me plaît, hein. C'est franchement la meilleure note qu'on peut avoir. Du coup, bah, Grimace Shake a clairement validé. Hein. Bon, Grimace Shake, du coup, je vais faire comme avec les autres personnages. Installe-toi juste ici, là, sur cette plateforme. Hop là, okay. Nickel, parfait. Du coup, Grimace Shake, dis-moi, est-ce que t'as des pouvoirs magiques, toi? Des pouvoirs magiques, c'est-à-dire... Des pouvoirs qui... Je sais pas, des trucs où tu peux lancer des éclairs. Genre ça. Et voir. Oh, oui. Ah bah les amis, je suis complètement gelé là. Regardez, je suis givré. Je suis simplement glacé, les amis. Je suis une glace, hein. Ah okay. Ouais, si tu veux, je peux te montrer. Je peux sortir des pics du sol. Oh, ouais, oh, c'est quoi ce truc? Attends, fais voir, je me mets dedans pour voir. Attends, t'es pas totalement dedans. Ah non, ça va, c'est pas... Ok. C'est vraiment un truc pour faire peur aux gens. Je crois que simplement, c'est pas un truc qui fait mal. Ok. Et t'en as un dernier. C'est quoi ça? Ah, fais voir, lance-le sur moi. Ah ouais les amis, ok, je suis clairement gelé les amis, il fait super froid. Ok. Je peux faire des murs de glace. Oh, tu peux faire des murs de glace. Oh, c'est stylé, franchement c'est super stylé ce genre de pouvoir. Ok, donc toi vraiment, vu que simplement c'est tout dans le mid-check, etc. tout, c'est vraiment tout ce qui est lié au froid, c'est ça? Ouais, et j'en ai un tout dernier, c'est ça. Wouah les amis, il a fait une tempête de... Oh, ok, bon les amis, ça me fait plutôt flipper. En plus t'as mis de la neige de partout, bah bravo pour enlever ça, c'est du grand n'importe quoi. Bon franchement, tes pouvoirs sont vraiment plutôt pas mal Grimace Shake, je suis vraiment content d'avoir pu découvrir ces petits pouvoirs. T'inquiète, ça va se casser tout seul ça normalement. Ok, et eh ben on verra. Ah oui, regardez, je crois que ça se casse. Ah oui, regardez, ça se casse amis. Regardez, c'est en train de se casser. Ok, attention. Ah bah voilà, je l'avais dit. Oh oui, ça se voit les amis, regardez. Oh, stylé. Ok, et en bas, et par terre, ça part tout seul aussi? Non. Ah ok, il va falloir l'enlever tout seul. Ok. Bon, en tout cas, Grimace Shake, c'était plutôt pas mal. Moi, je vais te lancer un petit truc sur toi, c'est parti. Hop là. Ok, attention les amis, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Ouais, ça a marché. Ok, parfait les amis. Grimace Shake a disparu les amis. On va passer simplement au quatrième personnage. C'est parti. Ok, normalement, hop, on écrase, on met ça au max. Je supprime simplement Grimace Shake les amis. Et c'est parti pour dessiner simplement le prochain personnage. On refait la technique, les amis, du début. C'est-à-dire, je ne vous dis pas quel personnage je vais dessiner. Vous allez devoir deviner. Lui, il est... Ah, il n'est pas compliqué. En vrai, il n'est pas compliqué, les amis. Il ressemble à d'autres personnages. Vous allez voir. Je vais essayer de m'appliquer pour celui-ci. Alors, je vais mettre 2, comme ça sera plus facile. Hop, hop, hop. Parfait. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Les petites chaussures. Ensuite, simplement, on lui fait un petit buste comme ceci, les amis. Voilà. Je rappelle, les amis, un petit indice. C'est encore un costard. Voilà. Et cette fois-ci, c'est un costard cravate. Hop là, ses petites mains, les amis. Ok, bon, il a des mains d'humain, donc je vais mettre du orange parce qu'on n'a pas de beige, donc c'est parti. Et simplement, les amis, sa tête, on va faire du gris. Ouais, on va faire du gris, hop, c'est parti, on va mettre comme ça. Les amis, je sais pas si je vais bien le faire. Normalement, je vais le faire assez bien, ça va être difficile, je pense. Tac, on va mettre un peu plus gros. Ça va être assez difficile, les amis, de le faire correctement, mais bon, on va essayer quand même. Et là, je crois qu'à l'intérieur, c'est simplement comme ceci, et là, on va faire ça. Bon, ça, c'est une caméra au cas où si vous ne l'aurez pas deviné, hein, les amis. Hein. Je vais mettre un petit trait blanc comme ça pour faire un petit reflet. Hop là. Et du coup, simplement, les amis, vu que c'est un costard cravate, hop, on ouvre comme ceci en blanc. Voilà. Et ensuite, les amis, on va faire la petite cravate en noir. C'est parti. Je fais la petite cravate. Donc, hop, 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 comme ceci. Et là, comme ceci. Voilà, les amis. La petite cravate. Du coup, c'est parti. Normalement, le personnage est terminé. C'est simplement, les amis, du coup...
Oula, j'ai entendu un bruit. C'était caméraman, les amis. Donc je vais mettre des smokes, les amis. C'est parti. Ok, il m'en faut encore. Hop là. C'est parti, on les lance, amis. C'était caméraman. On va voir simplement si il va apparaître ou si je l'ai mal fait. C'est possible que je l'ai mal fait, les amis. Ok, attention. On va voir. Attention, les amis. Il y a quelqu'un. Ok. Oh, les amis, ça a marché. Ça veut dire. Mais je suis où là? J'étais encore fait spawn. Enfin, c'est un personnage que j'ai encore fait spawn parce que simplement je dessine des personnages et ils spawn. Ah, d'accord, ok, très bien. Est-ce que je peux voir comment tu m'as dessiné ou pas? Tu vas vraiment avoir mal à tes yeux, mais vas-y si tu veux, vas-y, viens. Bon, les amis, vraiment, le dessin est pas foufou, mais ça passe. Ok, regarde, c'est bon, il est dessiné ici. Waouh, mais j'ai un crâne, hein. il est étiré. Bah, c'est vrai que là, sur la photo, sur le dessin, bah, je t'ai fait une énorme tête de caméra. Alors que dans la vraie vie, les amis, il a une petite tête de caméra. Ouais, c'est vrai que, bon, j'ai un peu abusé sur ça, j'avoue. Je suis désolé, caméraman. Bah, c'est pas grave. En vrai, c'est quand même pas mal, hein. Merci, merci. En tout cas, bah, tiens, tu peux te mettre juste ici. Est-ce que t'as des pouvoirs magiques, toi? Ouais, j'en ai un, mais j'en ai que un, par contre. Hein. Que un? Ok, vas-y, fais voir. C'est juste ça, attends, fais voir si je me mets proche de toi. Vas-y, vas-y. Ah oui, ok, je prends des dégâts. Ok, je prends des dégâts. J'ai pris 3 cœurs, les amis. Ok, donc ton pouvoir, c'est juste ça, caméraman? Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, peut-être que je peux en avoir un autre. Oh, ok, ok, bon, les amis, il va juste que je me concentre. Ok, il se concentre, les amis, il va peut-être avoir un autre pouvoir. Oh, 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 une tornade de feu, les amis, c'est concentré par une tornade de feu. Ok, franchement, les amis, c'est incroyable. Moi, j'ai kiffé. Dites-moi dans les commentaires quel est le personnage qui a eu le meilleur pouvoir magique. Pour l'instant, j'avoue, j'hésite entre Grimashake, les amis, et simplement, et bah, Caméraman. Franchement, cette tornade de feu, j'ai plutôt kiffé, les amis. Bon, en tout cas, je vais éteindre quand même les flammes. On sait jamais si ça se propage. Hop là, vas-y, tu peux m'aider à les enlever si tu veux, caméraman. Hein, parce ouais, que ouais, je vais t'aider. Je pense que t'as de quoi allumer, mais t'as pas de quoi éteindre, je pense. Hop là. En tout cas, les amis, c'est parfait. Je vais juste enlever simplement la neige un peu sur le côté. Et du coup, je vais lancer simplement ma smoke sur caméraman pour qu'il disparaisse. Attention, disparition. Hop là, les amis. C'est parti. J'ai simplement fait disparaître normalement caméraman. On va voir ça. Let's go. Il a disparu, les amis. Ok, très bien. Bon, les amis, pour finir, en beauté, je vais dessiner le dernier personnage. Et ça, simplement, c'est un personnage que vous aimez tous, les amis. C'est simplement le personnage des mignons, les amis. Ok, donc lui, pareil, il est facile à dessiner normalement. C'est parti, je vais prendre un petit pinceau. Hop là, je prends du jaune. Je lui fais un grand corps comme ça arrondi, les amis. Voilà. Hop là, les amis, comme ça. Ça, c'est une petite tête de mignon. Parfait. Ensuite, simplement, on lui fait son corps. Hop là, on prolonge. On a juste à prolonger comme ça, voilà. C'est son petit corps, les amis. C'est plutôt nickel. Bon, je me suis fait un petit peu à côté. Je vais simplement réparer ça. Hop là. Ici, pareil. Hop là. Ok, nickel. Du coup, simplement, ensuite, il lui faut sa salopette. Du coup, salopette, c'est comme ceci, les amis. On fait comme ça. Tac, tac. J'entends un petit bruit. Je sais pas ce que c'est, les amis. C'est d'être la machine à côté. Il doit faire un petit bruit. Et ensuite, simplement, il lui faut, les amis. Donc, on va remettre comme ça. Et simplement, ça, c'est les petites lanières de la salopette. Comme ceci. Et franchement, c'est stylé pour l'instant. Hein. Je crois que mignon, ça va être le personnage le mieux fait. Hein. Hop là. On lui met ses petites mains. Tac, tac, voilà, nickel, comme ceci les amis, parfait, et ensuite il a des petits gants noirs, donc tac, 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 et voilà, on lui met des petits gants, on va lui faire le deuxième ici, tac, 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 des petits gants au mignon, ok, et tout simplement ici il a une petite écriture, c'est un petit logo comme ceci les amis, tac, 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 nickel, et tout simplement pour finir, il lui faut ses petites jambes, donc il a du blanc comme ça, voilà, et ensuite il a du noir, comme ceci pour faire ses petites chaussures. Et là, les amis, le plus simple, le plus drôle et qui simplement va donner une forme au mignon, c'est ses lunettes, les amis. Donc là, je vais prendre un cube. Je vais faire un rond, deux ronds, comme ceci. Bon, pour l'instant, ils sont pas vraiment ouf, mes ronds. Ah, mais ils se collent en plus. Ils se collent, les amis. Donc je vais faire des ronds qui se collent comme ceci. Attention, voilà, nickel. On va simplement mettre du blanc à l'intérieur. Tac, 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 tac. Parfait. On va faire pareil ici. Voilà, et simplement les amis, on va lui mettre du coup des yeux, hop, hop, et là les amis, on a juste à relier sur les côtés, nickel, et là le mignon est terminé, il manque juste simplement sa petite bouche, et ensuite c'est terminé les amis, du coup la petite bouche c'est comme ça, c'est simplement un carré rouge, on a entendu un petit bruit qui est simplement juste ici, j'espère ne pas le entendre à la sortie, du coup les amis, on a des petites dents comme ça, et là les amis, j'ai juste simplement à valider, hop là, et le mignon est terminé. Du coup, je vais mettre des smokes, on va voir si ça a marché, les amis, attention. C'est parti, attention, est-ce que ça va marcher? Attention, attention, roulement de tambour, les amis, est-ce que le mignon va apparaître? Oh, ok, les amis, c'est bon, pour l'instant, j'ai fini. Attention, attention. Oh, oh, ça a marché, les amis, ça a marché. Coucou, mignon, ça va? Qu'est-ce que je faisais? Coucou. Tu peux sortir, mignon, si tu veux, mettre une note à mon petit dessin. Ton dessin où ça regarde, c'est le mignon, c'est celui-ci, c'est toi. Oh, wow, je suis ébloui. On est d'accord, il est super bien fait. Ah ouais, il est trop bien fait là avec ma bouche et mes deux dents. Ouais, j'avoue que franchement les amis, j'ai plutôt bien réussi le dessin, je suis plutôt fier de moi. Bon, en tout cas mignon,
Oula, j'avais envie de roter. Bon, mignon, tu me donnes une note combien? 10 sur 10? Je sais pas quand même, hein, c'est compliqué, j'hésite entre 9 et 10, hein. Quoi? Tu hésites? Mais non, c'est 10 sur 10, ça, mignon. 9 et demi. C'est juste pour t'embêter, en vrai. Ah, c'est juste pour m'embêter. Bon, les abonnés, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous mettez comme note au mignon? Mignon, t'as des petites, des petits pouvoirs, toi, ou pas? Bah, voilà. Okay. Et voilà. Donc toi, ton pouvoir, c'est de t'accrocher en haut et de ramener des bananes, c'est ça? Quoi, t'aimes pas les bananes? T'as un problème contre les bananes? Non, t'inquiète, j'ai pas de problème. T'as un problème avec les bananes, c'est ça? Non, wow, les amis, il se va trop monter. Non, ok, wow, les amis, en fait, il a plein de pouvoirs. Bon, moi, je vais m'échapper d'ici, les amis. Le mignon, je crois qu'il est plutôt énervé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires sous cette vidéo. Mettez un maximum de likes, je compte sur vous, les amis. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Vous avez vu, on est sur la nouvelle map. Il y a plein de personnages qui arrivent, plein de vidéos qui sont sorties il y a très récemment. En tout cas, si vous n'avez pas vu de vidéo, il y en a deux qui s'affichent tout de suite à l'écran. N'hésitez pas à les voir. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Aboriz. Ciao tout le monde!